À cheval entre l'économie et la politique, le secrétaire exécutif du Parti démocratique gabonais était à la zone économique d'Ngok. Cette visite qui cadre avec les festivités du 51e anniversaire du PDG a permis au Hérac de ce parti d'apprécier l'état d'avancement de cette zone économique. Charles Bamondo, Thierry Aldo, Mandaka, reportage. Incontestablement l'un des fleurons emblématiques des ambitions économiques du chef de l'État, la plateforme industrielle d'Ngok, située à 27 km de Libreville, offre aux premiers visiteurs l'image d'un projet pratiquement abouti, surtout lorsque la quasi-totalité de l'espace sera occupée par des entreprises désireuses d'opérer dans la zone. La délégation du secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais, conduite par Eric Dodebou-Genza, a eu tout le loisir de découvrir et d'apprécier la réalité des efforts consentis par Ali Bongo Ondimba en vue de faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Nous nous sommes dit que le distingué camarade président et le grand réalisent des projets d'importance pour notre pays et qu'il valait mieux venir voir quel est l'état d'évolution de ces projets et surtout nous rendre compte que l'économie positive, au sens noble du terme, et par bon nombre de pays qui tendent vers l'émergence, est bien présente en Ngok. Au regard de la panoplie et de la nature des investissements, les retombées sont considérables. Non seulement des emplois sont créés, mais en plus, cela permet aux jeunes Gabonais que nous avons rencontrés dans des usines de se sentir soi-même, et surtout d'être utile pour le développement de notre pays. La zone économique à régime privilégié de Ngok compte jusqu'à ce jour plus d'une soixantaine d'entreprises installées sur place, près d'une trentaine en voie de l'être, des banques, un guichet unique pour la centralisation de toutes les opérations et procédures y afférentes.